J'adore ça. J'adore ça. Les douze ferrets. J'adore ça. J'adore ça. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jules Lacroux, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo et bienvenue dans cette année 2018, j'espère qu'elle sera fructueuse et bonne pour vous et aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de vous concocter le petit menu bien sympathique du top 10 clip de Code QG. J'espère que vous êtes bien installé sur votre chaise, sur votre fauteuil, sur votre lit, n'importe où, sur les genoux de votre grand-mère qui kiffe regarder les top 10 de Code QG commentés par Jules Lacroux, parce que tout le monde aime regarder les top 10 clips commentés par Jules Lacroux, ça tombe sous le sens. En tout cas, Michel, balance-nous les clips, c'est parti. Alors à la 10ème position, on est sur Rama Parlen Forest de Call of Duty World War avec Skizod et son sniper pour une quad feel. On screen x 3. Ouais, quad. Quad x 2. Quad x 3. 9ème place, c'est Benji avec deux snipers cette fois-ci sur Call of Duty World War 2 qui nous fait une quad feed on screen rolling multi-kill. Go. Yes, go, j'ai mis. Oh, rolling. Bon. Oh putain. 8ème place, c'est notre cher Bistro34 sur la map network de Call of Duty Modern Warfare Remastered. Il a sorti son barrette pour nous faire une série de 10 éliminations avec la 5 feed on screen. À la 7ème position, c'est également une 5 feed on screen, cette fois-ci au Springfield sur la map Arden Forest de Call of Duty World War 2, réalisé par Matt Xy. 6ème place, c'est Trophy Zix qui nous rentre une quad feed on screen x3 avec son car 98 sur Call of Duty World War 2. Cinquième place, c'est moi, chez ce top 10, c'est Mr. Skull54 qui te met la 5 feed on screen accompagné de la triplet shot bitch on screen avec son car 98 sur Call of Duty World War 2. Quatrième position, un petit clip à l'arme, on se retrouve en mode guerre sur Call of Duty World War 2 avec Helios du 78 et sa STG, et c'est évidemment le moment du clip calcul mental, là où vous allez devoir compter le nombre de kills qu'il a fait tout au long du clip, alors je vous laisse avec vos calculatrices et vos additions. Pour la troisième place, est-ce que tu te souviens des C4 shots de Wartech? Non, évidemment, personne ne se souvient des C4 shots de Wartech, personne ne se souvient de Wartech sur Call of Duty, évidemment. Bon, voilà, c'est presque pareil, sauf qu'il va le faire avec une grenade, il va faire la full team, voilà, c'est Wigza qui tire avec son sniper sur la grenade, ça fait 6 kills, voilà, c'est n'importe quoi. En vrai, il tire pas sur sa grenade, en fait, mais on dirait, quand même, c'est rigolo. Donc, il fait 5 frags à la grenade, et puis le petit dernier au sniper pour faire la full team, tout simplement, c'est n'importe quoi. Seconde position, on retrouve Trophy Zix avec son car 98 sur Call of Duty World War 2 pour nous faire une 5 feed on screen x2 cette fois-ci. Et enfin sur la première place de ce top 10, c'est notre cher Féchièche avec son M43 sur Modern Warfare Remastered de la map Vacant et il va nous rentrer une quad feed headshot bitch on screen full single ma gueule. Oh mon dieu! J'espère que l'équipe d'aujourd'hui et le top en lui-même vous auront plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu le fais savoir dans les commentaires. Tu félicites les joueurs, tu lâches ton like, ça fait toujours plaisir. Et t'envoies les clips pour les prochains top 10 à codxqg@gmail.com. Ah ouais, tu verras bien si tu passes ou si tu passes pas. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, une bonne année 2018. C'est Jules Lacroux et je vous dis à très bientôt sur Code QG. Allez, à plus les gens.